Yo tout le monde, c'est Lunari, on est parti sur le 12ème épisode sur Pokémon Explorateur du Ciel. Donc on va se faire le petit lac, comme c'était prévu. On peut y aller? Oui. Pour quel chemin? Forêt brumeuse. Ok, bon. D'accord, allons dans la forêt brumeuse. Allons-y en route. Après tout, peut-être que c'est là-bas que je pourrais retrouver la mémoire. Le lac des brumes. Peut-être que je retrouverai des réponses au lac des brumes. Hein, qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de pierre. Elle est rouge et plutôt jolie avec ça. En fait, c'est une sorte de gemme. Eh, hey, cette pierre est chaude. C'est comme si la chaleur venait de l'intérieur de la pierre. C'est bizarre. On dirait que ce n'est pas une roche ordinaire. Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement un objet rare. Je vais le garder. Allez, en avant, Lunar. Ok, ils font même pas 5 pas, ils ramassent une gemme qu'ils ont. Que personne n'a vu. Hein. Pour la logique, parfois. Allez, bon. Alors, Zigzaton, c'est un bon Pokémon. Non, c'est une petite merde, mais qui est assez rapide, c'est sympa. Est-ce que je le joue? Non, je le joue pas dans mon Shop Nail. Ouais. Bon, que l'Orior, il est vraiment sympa, vous pouvez faire sport direct avec lui, ce qui vous donne un tour, puis après vous pouvez faire une attaque de boost et après le passer. C'est vraiment super, il peut apprendre la plupart des attaques. Bon, après il a des stats de merde à côté, mais c'est un bon Pokémon. Bon, Pachirézu, je reviens pas dessus, hein. Un Pokémon électrique comme la plupart des Pokémon, non? Ou une tête de rongeur. Bon, allez. Ok, bon, on avance. Colorior, ça donne plein d'expérience, comme on avait remarqué. Bon, on y va. Techniquement, on est qu'au deuxième étage et on... Voilà, Gribouille, je crois, c'est une capacité qui permet de copier une attaque. Attaque propre à... un Colorior, justement. Bon. Techniquement, on va faire quoi? On va le... Bon, voilà. Ok, rugissement, j'ai perdu des... Mais attendez... Ah oui, c'est juste que je suis bigleux, en fait. Depuis 10 minutes, je suis bigleux. Ok, d'accord, bon. On monte d'étage. J'espère que je vais le voir au prochain étage, quand même. Faut pas abuser. Voilà, comme ça, je passe un peu plus vite sur les étages. Bon, au sol mangé par Hector, voilà. Bon, on mange les trucs qui sont au sol, hein. On est bien dégueulasse. Ok, bon, on y va. Ok, clac, clac, clac. Bon, en fait, c'est plutôt rapide. Normalement, sur les étages du... le pauvre Pachirézu, il y a le brouillard, du coup ses attaques sont faibles. Bah, il fait que de la merde, du coup. Bon. Ok, bon. La poreille. Petit Pokémon sympa, hein. Par contre, je me rappelle plus du tout comment il a évolué. Je crois par amour s'il est une femelle, mais à vérifier. Si ça se trouve, je dis une grosse connerie en ce moment, donc... Ok, bon. Là, il y a la pomme. Quand vous avez des objets au sol, vaut mieux le manger à moins que c'est une pétrigraine ou un truc du genre. Bon, on arrive.
On gagne des sous, ça c'est cool. Hey, je vais pas passer tout mon temps à chercher un chemin quand même. Scarabrut, bon Pokémon. En plus, Scarabrut et Scarino ont été rénovés en 6ème génération avec leur méga évolution. Ce qui est légèrement cool. Mon perso joue Dracaufeu Y. Mais bon. Bon, forte paume. Voilà, ça fait des dégâts. Hein. La paralysie est vraiment abusée sur. Sur Donjon Mystère. Puisque normalement, vous avez 50% de chance d'être. De pouvoir attaquer, mais là, vous avez 0%. Bon, ok, ça dure moins longtemps. Mais c'est quand même un peu abusé, sachant que juste après il peut vous. Sachant qu'après il peut vous le refaire, donc voilà. Bon, Zigaton. C'est super efficace. On gagne quand même quelques petits points d'expérience pour finir. Surfrousse qui est sympa à jouer, bon. Ça va pas plus loin, mais en random c'est sympa. Bon, il est. Il a pas un move pool vraiment. Original, mais. Il est sympa. Ok, bon. Ouais, non. Pétrigraine, c'est le meilleur moyen de vous réduire les. Bon, au sol. Manger par. Mon cul augmente un peu, bah c'est cool. Bon, je fais capacité vive attaque puisque. Voilà, ça c'est cool. Moi je faisais capacité vive attaque parce que, comme tout le monde le sait, combat ce n'est pas très efficace sur insectes. Bon, ça c'est un des trucs les plus simples à retenir. Quand vous avez à côté combat ce n'est pas très efficace par rapport à spectre. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Insecte, ce n'est pas très efficace par rapport à spectre. Vous retenez facilement. En fait, insecte, c'est un truc super particulier. Hein. C'est super efficace face à Psy, face à Ténèbre. Ce n'est. Je sais plus si c'est efficace ou pas très efficace sur combat. Ce n'est pas très efficace sur spectre. C'est vraiment super bizarre. Il n'y a aucune logique dans le truc. Bon, Vampigraine, c'est une attaque qui est. Alors, qui est légèrement différente dans cette génération. Je crois que c'est 10 points de vie par tour. Et donc 10 points de vie, c'est pas tant. C'est pas autant que. Un 8ème quoi. Un 16ème. Qu'est-ce que je raconte? Un 16ème. C'est incroyable, il y a des cascades partout. Mais où sommes-nous? Au cœur de la forêt? Le brouillard est si épais que je ne sais pas du tout où nous allons. Eh, dis donc! Regarde ces crapins. Eh, vous avez trouvé des indices? Non, pas encore. Toi, Crimpince, j'ai rien trouvé non plus. Mais ne vous laissez pas abattre. Il y a tout de même quelque chose d'intéressant ici. Intéressant?
Et si regarde par toi-même. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Dis donc, on dirait une statue de Pokémon. Mais c'est quel Pokémon? Groudon. Alors, apprends ta liste du beurre, s'il te plaît. Je n'ai jamais vu ce Pokémon d'azur. Tiens, on dirait qu'il y a une inscription là. Ce sont les runes en forme d'empreinte, laisse-moi lire. Ranimer la flamme de la vie qui brûlait jadis en Groudon. Le ciel s'embrasera alors de la chaleur du soleil. Le chemin qui mène au trésor sera révélé. Chemin qui mène au trésor, c'est incroyable! Un trésor, c'est le fameux trésor du lac des brumes. Chemin qui mène au trésor sera révélé. Cela signifie que le trésor pour trouver le lac des brumes sera caché ici. Ah bon, tu crois? Mais dis donc, c'est un mystère qu'on doit élucider. Cette partie des runes empreinte la vie qui brûlait jadis en Groudon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce Groudon serait... Ce serait cette statue. Qu'est-ce que nous sommes censés faire, dis donc? Ranimer la flamme de la vie dans cette statue. Oui, mais comment on fait ça? Bah, tu prends un Pokémon avec anti-brume et puis c'est bon. Ah, mais oui. Je sais, tout cette statue lunaire. Tu auras peut-être une vision. Je pense à la même chose. Si cela nous permet de trouver le chemin qui mène au lac des brumes, si cela nous permet de découvrir la clé de mon passé, si cette statue détient les réponses. Vas-y. Et le groupe des Maboules font confiance aux visions. Ça vient. Cette sensation de vertige. C'est ça, c'est ici. C'est là. C'était quoi? À qui appartenait cette voix? Quoi encore? Déjà une deuxième vision. Je vois. Place la pierre sèche dans le cœur de Groudon. Le brouillard se lève. Très bien joué, beau travail, partenaire. Qu'est-ce que je viens de voir? C'était différent des autres visions. Cette fois, j'ai simplement entendu une voix. J'ignore à qui elle appartient. Cette voix, l'ai-je déjà entendue? Je ne sais même plus à quoi ressemblait cette voix exactement. Mais pour une raison inconnue, ça me tracasse. Ça va, Lunar? Tu as vu quelque chose? Qu'a dit cette voix? Je dois m'en rappeler. La voix dit... Place la pierre sèche dans le cœur de Groudon, puis elle a ajouté... Le brouillard se lève. La pierre sèche? Peut-être que... Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, mais quel hasard! C'est la pierre rouge qu'on a trouvée tout à l'heure! On dirait une sorte de pierre. Elle est rouge, et plutôt jolie avec ça. En fait, c'est une sorte de gemme. Eh, cette pierre est chaude! Serait-il possible que la pierre sèche soit cette pierre qu'a trouvé Hector? Il y a un petit creux dans le buste de la statue. Tu as compris quelque chose, Lunar? Hein? La pierre sèche que j'ai trouvée au camp de base? Tu veux que je mette cette pierre dans le buste de la statue? D'accord, essayons. Oh non, ses yeux sont devenus rouges! Fais attention, reculez! Et dis donc, le brouillard a disparu. Le ciel est dégagé. Le soleil brille plus fort. Et regardez! Vous deux, on les regardait en l'air. Et dis donc, qu'est-ce... Voilà, c'était donc... ça que le brouillard cachait. Pas étonnant que personne n'ait jamais réussi à découvrir le lac des brumes. Même nous, nous avons tourné en rond pendant pas mal de temps. Dis donc, tu es en train de nous dire que le lac des brumes est là-haut, dis donc? Oui, c'est ce que je pense. Le lac des brumes doit être là-haut. Waouh! Non.
dis donc, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais informer tout le monde à la guilde. Vous deux partez devant. D'accord, allons, DJ Lunar. En route pour le lac des brumes. Arrêtez! Oh non! Encore faussé, le brut! Bon travail, gnarc, gnarc, gnarc! Warf, warf, warf! Vous avez résolu le mystère, vous ne servez plus à rien maintenant! On va le voler le trésor grâce à vous! Bande de monstres! Alors c'est pour ça que vous avez rejoint l'expédition, vous avez tout prévu! Morf, 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 tu t'attendais à une chose? Gnarc, 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 désolé, mais... Maintenant, on va devoir se débarrasser de vous. On va te faire regretter tes paroles. On ne vous laissera pas aller au lac des brumes. Gnarc, gnarc, gnarc. Vous avez la mémoire courte, vous avez déjà oublié la dernière raclée qu'on vous a mise. Je vous rappelle que vous avez lamentablement perdu contre Smogo et moi. Vous avez mis la pâtée avec notre combo spécial au Galasno et c'est à bon. Ça tombe bien, j'ai le nez bouché. Oups. Vous allez perdre encore une fois. Gnarc, gnarc, gnarc. À cette blabla, prenez encore ça et ça et ça. À part de ce point comme... Ouais, attendez-moi. Quoi? Pomme parfaite, pomme parfaite. Je t'ai enfin rattrapé, ma pomme parfaite. Si ma pomme parfaite disparaissait, je... Oh, ah, tiens donc. Oh, vous deux. Mes amis sont là aussi. Nous sommes tous ensemble. Youpla, youpla. Le maître de la guilde. Mais qu'est-ce qu'il fabrique là? Hein, qu'est-ce que je fais là? J'aimerais me promener dans la forêt, ma pomme parfaite est tombée et a roulé, roulé. Alors j'ai couru, couru, et hop, me voilà. Yep. Vous deux, vous ne devriez pas traîner dans le coin, pas vrai? Quoi? Vous avez une mission, c'est d'explorer la forêt, c'est ça? Hop, allez-y. Mais... Vous ne voulez pas écouter votre maître? Bouh, bouh, pas bien! Dépêchez-vous, partez explorer! Ben d'accord. Allons-y, Lunar. Bonne chance! Oh, j'espère que vous nous rapporterez bientôt de bonnes nouvelles! La 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 la! La 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 la! Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Maître? Oui, qu'y a-t-il, mon cher ami? On se dirait qu'on pourrait explorer, nous aussi. Ah bon? Ah, ce n'est pas la peine, je ne veux pas embêter mes amis avec ça. Laissons les autres explorer. Attendons le rapport. La 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 la. Tili ti 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 ti. Psst, psst. Chef, ça devient vraiment bizarre. Bla bla bla. N'ayez plus leur team fan de défense si on fait rien. On fait quoi? Il faut faire quelque chose. On n'a pas le choix. On va mettre gros dodo KO. Ensuite, on se lance à la poursuite de l'équipe Lunar Team. Tu crois? Tu es sûr que ça n'est pas risqué? Ce gros dodo me fiche la trouille. T'inquiète pas, il faut pas un clou. Et puis... Par contre que gros dodo pourra accéder à un précieux trésor d'une valeur inestimable. Oh vraiment un trésor. Exact, j'avais prévu de lui affoler de toute façon. C'est l'occasion rêvée. Laisse-moi go. Prêt pour notre compagnie spéciale au casque nauséabond. La 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 ti 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 li ti 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 li ti. On attaque gros dodo. Il ne faut pas nous en vouloir, mais aujourd'hui le grand explorateur gros dodo, j'ai lu l'histoire ancienne. Gnarc gnarc. Il y a un passage. Ok, bon.
Avant ça, comme j'avais le sac plein, vaudrait mieux que je dépose des trucs. En particulier des trucs inutiles. Un ruban fort, ça me sera utile. Les raquettes, je m'en sers pas. Pommes. Les graines, vite, je m'en sers pas. Les coffres, bah, vaut mieux les déposer avant qu'on les perde. Bon, techniquement, pendant ce temps, à la statue de Gourdon. Hey, chef, qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Chef, hey chef, ça fait combien de temps que vous le foutez du regard comme ça? Allez, on n'a qu'à lui balancer une double dose de notre bon vieux gaz nous est bon. Chut, ferme ton clapet. Que se passe-t-il, mes bons amis? C'est la soupe à la grimace ou quoi? Bah, c'est un coriace. Et vraiment balèze. J'ai compris, vous essayez de me faire rire avec vos grimaces. Je parie que je peux vous faire rire moi aussi. Blablabla. Allez, chef. C'en est trop, toutes les bières me floquent la trousse. Bon, je vois, ça ne marche pas. On n'a pas d'autre solution. Hé, hey, gros doudou. Qu'est-ce qui ça se passe? Et ça n'a rien de personnel, mais on va te mettre une raclée. Prends ça. La spécialité maison. Cocktail gaz nauséabond de notre force. À ce mouvement et moi. Oui. Ah bon, je vais utiliser les gelées. Bon, comme ça, ça va me faire augmenter mon QI. Je serai légèrement plus intelligent. J'ai mon jeu, l'espère. Ah, je voulais vous montrer. Bon, d'un autre côté, un Lucario avec... avec Drac aux griffes, ça peut être abusé, je pense. Non, pas tant que ça, en fait. C'est juste que c'est interdit, quoi. Bon, on monte d'étage. Ok, monte au niveau 19. J'ai pas envie de la jouer. Je sais qu'en bon terme, c'est vraiment bien. Mais en particulier, je crois, si vous avez un PV, ça fait 200 pitoyances ou un truc du genre. Mais mais bon, comme la nomenclature de... Attends, ça fait quoi? Objet empêcheur à l'attaque. N'empêche pas les... Ok, ça empêche pas les baisses dues à certaines attaques du style... surchauffe. Il y a un... surchauffe, parfois ça peut être sympa à jouer et vraiment marrant si vous avez un Pokémon avec la capacité spéciale Contrary. En gros, les hausses deviennent les baisses et les baisses deviennent des hausses. Et donc, bah, je vous laisse deviner. Hein. Voilà, vous faites surchauffe, vous avez déjà double boost. Et double boost, bah c'est bien quoi. Voilà, ça vous fait deux fois en attaque spéciale et si vous arrivez bien à la jouer, bah... Ok, vous êtes cool hein. Bon après, les Pokémon qu'on contrarie sont pas très très nombreux. En général, sont mauvais, mais... Mais ça peut être marrant, du style un Speedrea qui joue Close Combat, les petits trucs... que normalement vous ne jouerez pas.
Gelée azur, j'aurais dit. Il est qu'au niveau 8? D'accord, il est au niveau 8, d'accord. Ah oui, donc ça veut dire qu'on est vraiment trop OP quoi. Bon, on monte d'étage. Bon, je sais pas trop ce qu'il y a. Je sais que... Alors, l'évolution de... Alors, je retrouve même plus le Pokémon insecte là. Insecte vol. Il a Speed Boost qui est marrant aussi. En parlant des Pokémon avec Speed Boost, il y a... Bon, il y a Carvana qui est vraiment mauvais. Après, il y a Mega Brazogali qui était classé en Uber à cause de ça. On tient le bout. Ce mec ne peut plus être loin maintenant. Hein, c'était quoi ça? Est-ce que c'était réel ou pas hein? Bon, après, il y a comment on appelle? Ninjask qui a Speed Boost, Dance Slam, Baton Pass qui est aussi marrant à jouer. Il y en a un autre comme ça qui est aussi marrant à jouer. Qui sait ce qui nous attend? Mais il faut tenir bon, continuons. Vas-y, dis-moi. Hein? Tu quoi? Depuis qu'on a rejoint le camp de base, tu as le sentiment étrange d'avoir déjà vu cet endroit auparavant, et tu as aussi entendu parler du Pokémon qui vit au lac des brumes? Quelle fin. Et la légende raconte qu'il efface la mémoire de ceux qui parviennent jusqu'à lui. Alors tu crois que ce n'est pas la première fois que tu viens ici, Lunar? Tu crois que tu as rencontré Cruelf et qu'il t'a effacé la mémoire? Je vois. Alors c'est ça qui te tracasse, Lunar. Lunar... Maintenant, c'est décidé. Faut vraiment qu'on atteigne le sommet. On doit parler à Krull pour connaître la vérité. Je me demande comment tu étais avant de perdre la mémoire, Lunar. C'est parti, continuons. Ok, continuons. Non, j'y crois pas. Dans Slam. Ah non, mais moi je prends. Hein. Ça marche que sur Abri. Et là, je vais pouvoir vous montrer un truc. Bon, je pense qu'il va utiliser le recyclage, j'espère. Au pire, s'il l'utilise pas, bah je retire éboulement et puis voilà. Il sera au moins obligé de l'utiliser, hein. Bon, on y va, tranquille, pas de problème. Même un peu trop de chance, je dirais. Bon, je vais désactiver éboulement, comme ça va être fait. Mais tu veux utiliser comment ton recyclage là? Ok, d'accord, recyclage ça sert vraiment que si vous avez le... Ok, ça sert vraiment que si vous avez le... Le vraiment bon Pokémon qu'il a. Donc en gros, recyclage sur un Pokémon ami, ça a l'air de servir à rien. D'accord.
Ok, ça c'est... En action, c'est vraiment cool. Attends, je me demande si je lui donne la cité recyclage. Qu'est-ce qui va se passer? Ton niveau augmente, mais pas ton QI, hein. Tu veux pas utiliser recyclage, hein. Je peux pas faire capacité utilisée, hein. Vous voyez. Info. Je me demande si en dehors des donjons on peut l'utiliser. Bah au moins ça sera une bonne manière de regarder ça. Hein. Bon, ok, capacité vive attaque. Ce Pokémon Musciol a une défense légèrement... Il est légèrement plus défensif par rapport à... Par rapport à l'Umivol. Bon, faut que je fasse gaffe avec les points de vie puisqu'il retire 20 à chaque fois. Et donc 20, bah ça fait mal, hein. Bon, normalement c'est le dernier étage, donc je fais un peu le fou. On va voir que Karatrunk c'est un Pokémon de merde, hein. Voilà, en action, c'est montré. Même si on lui retire le problème de sa vitesse. Là tu vas vite m'énerver si tu fais ça. Voilà, comme ça je suis bien régénéré. C'était pas le dernier étage, bon. Là ça sera sûrement le dernier. Ok, bon, je vais mettre morsure en raccourci, voilà. T'es content? Moi, je verrai si je peux l'utiliser en dehors des donjons. Recyclage, parce que sinon, autrement, c'est vraiment la merde, quoi. Grand étuve pique. On a bien avancé jusqu'ici. Cet endroit, j'ai un sentiment étrange d'une certaine manière. Je sens une énorme tension dans l'air. J'en ai la chair de poule tout partout. J'ai un horrible pressentiment, comme si un terrible danger nous guettait. C'est le même bruit que tout à l'heure, Lunard. Je le savais. C'est bel et bien un rugissement. Bon, voyons ce que peut faire deux Little League face à un Groudon. Quelque chose se rapproche. Bon, ok, si vous utilisez le combo Galekid, bon, je vous expliquerai ça. Eh, hey, dis donc, regardez ça, vous autres. C'est donc ça, la statue de Groudon. Oh, mais il n'y a personne. Tu es bien sûr d'avoir vu le maître de la ligue et Crapince? Bien sûr que j'en suis sûr. Je l'ai croisé en revenant au camp de base. Maître de la guilde est passé à côté de moi en vitesse, tout excité à la poursuite d'une forme parfaite. Je l'ai salué, je lui ai fait un signe. Mais il avait trop l'air occupé pour répondre. Mais je pense que l'équipe de Lunar est partie la première. Alors je dirais que le maître de la guilde a voulu les suivre, vous croyez pas? La terre? Un quoi? Elle tremble.
Qu'est-ce que ça bien-être? Mais quel bouquin! Se pourrait-il... Se passe quelque chose là-haut. Allons voir vite. Père, tu as entendu quelque chose par là? Comme des râles et des grognements. Ton imagination te joue des tours, voilà tout. Allez, dépêchons. Ouais. Ouh, yay, yay, yay. Je suis tout décongelé, je ne peux plus bouger. Cof, cof. Comment est-ce bizarre, c'est pas ordure. Comment gros doudou a-t-il fait pour ignorer notre double attaque au gaz nausé bon comme si de rien n'était? Et comment est-ce qu'il a fait pour y poster comme ça? C'est carrément incroyable. Arc. Arc. Gros, gros. On dirait la statue. Mais alors, ce Pokémon existe pour de vrai? Vous avez-vous l'intention de profaner ce lieu? Partez sur le champ! Mais on veut juste aller au lac des brumes. Quoi, le lac des brumes? Sur le gardien de la des brumes, mon aigrodon! Venez regarder votre intrusion! Et dis donc, voilà l'entrée. On peut monter par là. Pop, pop, on se dépêche. Eh, hey, dis donc, Pidgeotto. Je peux te poser une question pendant qu'on court? Tu as déjà entendu parler d'un Pokémon appelé Groudon? Bien entendu, pour qui tu me prends? Ne suis-je pas le chef des services de renseignement de la guilde? Quoic. Groudon est un Pokémon légendaire dont parlent les mythes transmis de génération en génération. Pokémon légendaire? Exact. Les gens racontent que c'est lui qui a fait émerger les terres du fond des mers. Qu'il a ainsi créé les continents. Bigre! Ça doit être un colossé Pokémon. Si jamais on devait... Qu'est-ce qui se passerait? Hors de question, quack! Faites fou pour s'attaquer à Groudon. Et bien trop fort. Ah, j'ai peur. Mais ne vous... André... Bon, ok, donc, je vais parler un peu du... Je vais un peu parler du combo Galekid. Donc, il est joué fermeté. Niveau 1. Il est joué niveau 1, il a fermeté, il a le gros Locoq. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il attend que l'autre en face attaque. Comme l'autre en face est lent. Bon, je vais retrouver. Il est joué niveau 1. Avec fermeté, gros Locoq, il utilise effort. Si l'autre envoie une attaque. Si l'autre envoie une attaque qui passe au niveau 1, du coup, avec 1 PV, donc l'autre en face a 1 PV, il utilise le gros Locoq donc, récupère ses PV restants. Comme c'est niveau 1, c'est facile de récupérer ses PV avec un gros Locoq. Et puis il attaque une attaque de priorité, et puis c'est du. Ouais, voilà. Il n'a fait aucun dégât au fond. C'est un peu ça. On a réussi, on a vaincu Groudon, mais... Est-ce qu'il est vraiment... Bon, après, il y a plein de contres, mais sur des Pokémon débiles comme ça... C'est fait, quoi. Hein? Groudon a disparu? Ce n'était pas Groudon. Ce Groudon-là n'était qu'une illusion que j'ai fait apparaître. Qui a dit ça? Comme je vous l'ai dit, je suis le gardien de ces lieux. Et je ne peux pas vous laisser passer. Attendez! On est là pour... Et des ennuis. On veut juste des informations, c'est tout. Des informations, dites-vous? Oui, c'est tout, sans mentir. D'accord, d'accord. La vérité, c'est qu'on a une équipe d'exploration. On aimerait bien repartir avec un trésor
après tous les efforts qu'on a fait pour arriver jusqu'ici. Mais si ça vous pose problème, on repartira les mains vides. On aura déjà la satisfaction d'avoir atteint cet endroit. Allez, vous devez me croire. Même soi. Je vous crois. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Crève. Pas possible, Crève, dis-tu? Absolument. Je protège un objet très précieux qui repose au fond du lac des brumes. Laissez-moi vous exporter au lac des brumes, si vous voulez bien me suivre. Ouais, on fera la petite fin au prochain épisode, je sais. Bon, donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, regarder, vous dis donc. Encore merci et bye.